Salut, salut. Non, c'est pas que j'ai la frousse du coronavirus, c'est juste qu'on s'attaque, on finit de dégager les combles là. Et on était dans la partie où la charpente et surtout la couverture en plus mauvais état. Donc ça demandait de se protéger un peu. Donc je vous laisse découvrir tout ça et après on essaiera de faire un tour de la découverte finale.
Fois tout tombé, ça fait un beau bordel au sol. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Tout mettre en sac, tout évacuer. Mais à deux, ça va plus vite quand même. Il n'y a pas que l'eau qui avait dégradé la laine de verre. Il y a le temps. Bon, date, il y a 10 ans, elle était déjà posée. Donc, je ne sais pas qu'elle a plus de 10 ans, c'est sûr. Mais elle a aussi été visitée, donc avec des belles galeries devant. Donc sur les catalogues, quand on dit que la fibre de verre, ça repousse les rongeurs, croyez-les pas trop. Une fois tout dégagé, la seule petite trace de pourriture que je vois pour l'instant, elle est là, c'est la tête de la fêtière qui traverse le pignon intermédiaire. Mais déjà de l'autre côté, j'avais vu qu'elle était atteinte, c'est pas trop grave. Donc la charpente de ce côté, c'est ce qu'on appelle une charpente en chevron porteur. Donc vous avez en définitive ces chevrons qui font fil d'arbalétrier. Vous n'avez pas de panne fêtière, vous n'avez pas de panne du tout, c'est directement les voliges qui sont fixées sur les chevrons qui font office d'arbalétrier. Donc là, si on la regarde, on s'aperçoit qu'elle a complètement bougé. En plus, il y a eu des défauts de conception. Donc elle est tordue dans tous les sens. Là, comme les chevrons ne devaient pas être assez longs, ils ont fait des rattrapages en sifflet juste avant la tête de chevron, donc on voit ce que ça donne. Donc en définitive, c'est tout ça qui s'est affaissé, qui me donne la forme pagode de la toiture. Donc forcément, au niveau de la lucarne, une belle infiltration au niveau de la noue, là, qu'on voit dessus. Et je ne sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais effectivement, les chevrons partent complètement en diagonale dans ce sens-là, jusqu'à l'affaissement central. En plus, pour couronner le tout, les voliges, on le voit bien là, c'est pas la même volige qui a fait la longueur de 4,50 m. Ils ont mis plusieurs voliges, donc forcément, il n'y avait en plus aucun contreventement. Du côté de la fissure, la charpente donne ça, donc on a l'impression qu'il y a eu une retouche à un moment. Parce qu'au moins les voliges ont été changées sur cette partie-là. Mais pas d'explication nette. Je ne pense pas que ce soit la charpente qui poussait sur la toiture. Maintenant, j'attends que les experts passent pour me dire tout ça. Donc sur la partie principale de la maison, on n'est pas du tout sur le même type de charpente. On retrouve une panne fêtière, qu'elle mérite d'exister, donc c'est du chêne a priori. Deux arbalétriers, un assemblage des arbalétriers qui est un peu bizarre. Un entrée retroussé à ce niveau-là. Et là, donc on retrouve effectivement mes pannes. Donc il y a pas mal de... Ils sont fatigués. Et dessus, la couverture a complètement été refaite par l'extérieur. Donc c'est des chevrons des 50 par 50 qui ont été posés. Voliges de 15, film et après toiture ardoise. Donc j'en ai 5 des fermes comme ça, malheureusement. J'en ai pas opinion. Donc les couvreurs ont dû rattraper un T ici, on va voir ce que ça donne de l'autre côté. Donc historiquement, c'était des lucarnes que j'avais devant, donc on retrouve l'assise cimentée. Donc au-dessus, ils ont repris des Velux. Et pour poser les Velux, ils ont reposé des pannes qui ne sont pas très longues, qui sont sur le côté, qui ont été reprises sur les arbres. Et Velux entre deux, et pareil au-dessus. Bon, là, j'ai pas fini de décoffrer. Donc, même topo sur le pignon interne, on s'aperçoit que j'ai pas de... En définitive, mes arbas s'arrêtent au niveau du dernier... de la dernière panne, et on retrouve le point de pourriture que j'avais tout à l'heure au bout de la fêtière là-bas. Donc le long du pignon intermédiaire, au niveau de la reprise, là par contre j'ai les grosses entrées d'humidité, on en voit bien une là. Et là, c'est carrément les pierres qui prennent l'humidité.